Ouais, ça va. Et on continue avec toujours composition de fonctions. Côté que nous observons avec deux exemples, ça y est, nous joignons une fonction composée. Nous avons f de x qui est égal à 2 plus sinus x. Et puis nous avons g de x qui est égal à x moins pi sur 2. Ok? Je demande de nous joindre f de g de x. Ok? Et puis, il dit nous tout chercher domaine de définition. Donc, normalement, g de x cap antécédent, n'a pas essayé de montrer qui j'en l'y fait à l'aide de une machine. Nous disons une machine que nous gagnons qui est léger. Wall machine nan li même c'est tout x élément li joine li fait tourner li seulement prend x élément li ajouter moins pi sur 2 on soit li retirer pi sur 2 là-dedans. OK, nous comprenons, c'est-à-dire x élément ça qui entre à là l'elle sorti il sorti x moins pi sur 2, c'est-à-dire c'est x là il retirer pi sur 2 là-dedans. OK, c'est wall machine nan ça. Donc, à tout g, x qui entre dans parenthèse là, li sorti, c'est x li a moins pi sur 2. C'est comme ça. C'est wall machine dans ces fonctions. Donc, c'est ça. OK? Nous voyons que, à tout x élément nous fouille dans la machine, ça, li ban nous x moins pi sur 2. OK? Si je fais un élément 3, là-bas, moins 3, moins pi sur 2. Exemple, OK? Donc, puisque je demande un bout de jeune f de g de x, donc, on a essayé pour un élément que nous jouons comme ensemble d'arrivée pour machine GA, nous mettons comme ensemble de départ dans la machine f là. Donc, c'est x moins pi sur 2 hein, que nous avons entré là, et puis, lui-même, pour liban nous qui ça. Donc machine f là lui même ou elle dit comme ça, c'est quel que soit élément entré dans moi là, OK, m'a prend sinus li et puis m'a ajouté le 2. Donc il prend sinus élément là, ajouté le 2. Donc nous voyons que ça avait égal à 2 plus sinus x moins pi sur 2. Donc c'est fonction machine f là lui même. Donc f de g de x, c'est demandé nous, c'est lui-même ça. Li égale à 2 plus sinus x moins pi sur 2. Ceci implique que nous connaissons que sinus x moins pi sur 2, si nous avons décalé que de notre façon, nous te disons c'est 2 plus. OK? 2 plus sinus moins pi sur 2 plus x. OK, nous voyons que ça change changer. Moins pi sur 2 plus x. Nous calculons de façon toujours. C'est 2 moins sin pi sur 2 moins x. OK? C'est 2. C'est qui ça? C'est moins 1 là, c'est comme si je dis moins 1. OK, exemple. Bon, si je vais essayer de montrer ça avant de nous tomber dans l'étape, ça nous essayer de montrer côté de sortie. Là, c'est 2 plus sin facteur de moins 1 facteur de pi sur 2, OK, moins x. De telle sorte que l'entrée moins 1 ça, là toujours bonne pi sur 2 moins x, OK. Moins 1 ça nous fait le sorti qui vient de nous ça. Nous comprenons? OK. Donc là nous remarquons que nous venons un arc qui relie arc complémentaire. Donc selon les arcs complémentaires que nous fait paraître là, complémentaire,
Nous connaissons que sin pi sur 2 moins x égale à cos x. Donc, nous avons écrit ça en l'autre façon. C'est 2 moins cos x. Ok? F de g de x, nous voyons que l'égal là, c'est 2 moins cos x. Ok? Donc, pour domaine de définition, on a essayé d'analyser. Ok? Pour fonction g de x là, nous voyons que x lui-même n'est qu'à prendre n'importe valeur réelle. Ok? Fonction g de x là, x n'est qu'à prendre n'importe valeur réelle. Donc, domaine de définition de g, nous connaissons l'ensemble des réels. Ok? Mais, pour fonction cosinus là, ok? Pour fonction cosinus là, nous connaissons que, quelle que soit valeur réelle, nous balia, là, ben nous, y a une image qui se trouve entre moins 1 et 1. Ok? C'est-à-dire que, c'est vrai, fonction salium, nous avons tout réel. Là, lui-même, quelle que soit valeur réelle, nous avons x, là, ben nous, y a une image entre qui ça? Entre moins 1 et 1. Ok? Donc, fonction f de g de x là, pour nous jeune domaine ni, ok? Pour nous jeune domaine de définition ni, c'est quel que soit, nous connaissons l'ensemble, domaine de définition, c'est l'ensemble de départ. Donc, quel que soit valeur x nous bali là, domaine de définition fonction g de x là, li égal à quel que soit valeur x, valeur réelle by x. Donc, li égal à l'ensemble des réels. Pourquoi ça? Parce que, quelle que soit valeur by x là, dans l'ensemble des réels, m'a besoin de valeur.